1400 mètres, c'est la même distance. Ils sont partis pour 1400 mètres. On est très bien partis avec le 4 Bouxy et Isidore Boaziz. On retrouve les jeunes vivantes, le numéro 2. On se retrouve en 3e et 4e position avec 2 Alex Sedlec ainsi que le 3 Zayakib. Voilà, donc toujours dans cette ligne droite donc où le train est quand même bien mené avec donc le numéro 2 qui est en tête. Donc pour l'instant, les chevaux vont arriver au bout de la ligne droite. Il est clair que pour l'instant, rien n'est joué. Tout va rester à faire. Pour l'instant, c'est un peu la course d'observation. Mais on peut s'attendre tout de suite, peut-être dans l'entrée du virage, à une accélération. Alors que voilà, il va passer en tête le numéro 2, devant le 4, l'As et fermant la marche le 3. Mais en tout cas, il y a du rythme dans cette course. Il y a du rythme, mais tous les chevaux sont encore groupés. Il n'y a pas encore de perdants. Mais à l'heure actuelle, c'est le 2 maintenant. Les jeunes vivants qui prennent l'avantage. On est second avec Bouxy, troisième avec Dual Excellex. On ferme la marche avec Zayakib qui est très sollicité par son jockey. Voilà, on va rentrer maintenant dans la ligne droite où là tout va se jouer évidemment pour l'instant. Tout, rien n'est joué, tout reste à faire. Ils sont pratiquement tous les quatre, voire tous les trois sur la même ligne qui va se dégager. Que là, c'est vrai que il se détache, il va tenter de l'emporter. Là, ça va se jouer vraiment très serré. Qui va donc sortir ici au bout de cette ligne droite? On peut dire France, ça va être très serré pour le final. C'est très serré, mais c'est Zayakib qui va en pleine piste. On a en seconde position Bouxy et côté conduit Alex Sedlec. C'est Zayakib et Rémi Campos qui va peut-être s'envoler vers sa 19e victoire de la saison. Zayakib qui est très sollicité par son jockey, mais qui se détache de façon irrésistible et permet à son jockey de signer sa 19e victoire de la saison. Ce numéro 3, Zayakib l'emporte à la compte de 2-10. On est deuxième avec Bouxy et troisième avec du Alex Sedlec. Donc arrivé 3, 4 et As. On peut le dire, France, belle course. En tout cas, la manière était là. Il a su faire la différence et on sent que c'était mené de main de maître.